Bonsoir, bonsoir, s'il vous plaît. On va débuter la conférence. Alors bonsoir à tous, merci à vous d'avoir fait le déplacement, merci aux étudiants, à l'équipe éducative et à tous ceux qui assisteront à cet événement sur Facebook ou YouTube. Je suis Pierre-Yves, étudiant en magistère 2 à l'ICEP et ce soir l'école m'honore en me permettant de vous présenter notre invité, le général Jean-Yves Lozier. Notre invité ce soir, le général Jean-Yves Lozier, a eu des postes à vocation opérationnelle en France, mais aussi à l'étranger. Il a aussi exercé de nombreuses responsabilités dans la formation des officiers. En effet, il a été chargé de l'enseignement de géopolitique à l'école de guerre et a été à la tête du commandement des 23 écoles de l'armée de terre. Mon général, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'Europe contre l'Europe » que vous pourrez retrouver à l'accueil aux éditions de Lerne, dans lequel vous retracez l'histoire d'une Europe bercée entre empires et nations depuis la chute de l'Empire romain. Ce soir, vous nous proposez de vous suivre dans un passionnant périple géopolitique et historique aux origines de l'Europe. Nous allons rechercher quelle est son identité, les antagonismes qui l'animent depuis des siècles, et enfin nous allons réfléchir à son avenir. Mon général, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci à l'ICEP de son accueil. Je vais en une quarantaine de minutes, je vais essayer de vous brosser un panorama rapide de ce qui est intervenu en Europe entre 476 et 2023. Alors vous allez vous dire, en 40 minutes. Mais je vais survoler et ça va, j'espère que ça vous donnera le goût ou l'envie en tout cas de lire l'essai que j'ai écrit, donc l'Europe contre l'Europe. En premier lieu, je tiens à dire que c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre politique. Comme je le dis souvent, le grand drame de notre époque, c'est qu'on regarde assez peu en arrière, et comme on regarde assez peu en arrière, on oublie que l'histoire qui nous a conduits jusqu'à ici, jusqu'au moment que nous vivons, cette histoire-là a été longue, a été lourde, a été sanglante, souvent, parfois apaisante, pacifiée, mais qu'elle pèse très directement sur les événements que nous vivons aujourd'hui. Et comme on les oublie, eh bien on ne sait pas trop pourquoi on vit ce que nous vivons, et surtout, c'est ça le plus grave, on a du mal à préparer l'avenir. Alors je vais vous parler, je suis un soldat, je vais vous parler comme un soldat, c'est-à-dire que je vais vous dire les choses directement. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un diplomate, une femme du monde et un soldat. Un diplomate, quand il vous dit oui, ça veut dire peut-être. Quand il vous dit peut-être, ça veut dire non. S'il vous dit non, ce n'est pas un diplomate. Une femme du monde, si elle dit oui à un homme, c'est pas si elle dit oui à un homme, pardon, si elle dit non à un homme, ça veut dire peut-être. Si elle dit peut-être, ça veut dire oui. Si elle dit oui, c'est pas une femme du monde. Et un soldat, lui, quand il dit oui, ça veut dire oui. Quand il dit non, ça veut dire non. S'il dit peut-être, c'est pas vraiment un soldat. Voilà. Alors, après ce petit préambule, pour que vous compreniez bien la façon dont je vais m'exprimer, je voudrais entrer dans le vif du sujet. Vous voyez, à l'image là, vous avez donc l'Europe contre l'Europe de 476 à 2021. J'ai pris trois représentations. La Louve, que tout le monde connaît, avec Romus et Rémulus, qui sont allaités par la Louve. Et puis d'un côté, vous avez le baptême de Clovis, et de l'autre, vous avez le couronnement, le sacre de Charlemagne. La première peinture est de Juin, de 1835. Elle est aujourd'hui au château de Versailles. 1835. De Juin était un peintre qui s'était lancé dans des œuvres à caractère historique. Et donc, il avait fait un certain nombre de tableaux que lui avait demandé Louis XVIII. Ça, c'est Louis-Philippe qui lui demande en 1835 le baptême de Clovis. Pourquoi ? Eh bien, parce que Louis XVIII, roi des Français, voulait réaffirmer haut et fort que l'origine de la France, c'était les Francs. Et vous savez que la Révolution avait essayé d'exacerber le souvenir des Gaulois, pour opposer en opposition entre le peuple qui serait issu des Gaulois et la noblesse qui aurait été issue des Francs. En fait, la vision est fausse, mais elle est caractéristique d'une époque. Donc, pour Louis-Philippe, bien avant, vous voyez, bien avant les guerres de 1870, 1914 et 1940, évidemment, pour Louis-Philippe, il était important de rattacher la France à l'origine
de 476. De 496, donc. Pardon. Et puis le Sacre de Charlemagne. Alors ça, c'est une peinture d'un peintre allemand qui s'appelle Kobach, qui est de 1061 à Munich, qui a été commandé par le roi de Bavière. Et là aussi, vous voyez, c'est très intéressant. Le roi de Bavière n'est pas fondamentalement celui qui va devenir, enfin, il ne deviendra pas d'ailleurs, l'empereur du deuxième Reich allemand, puisque c'est le roi de Prusse qui deviendra l'empereur de ce Reich. On est en 1861, c'est-à-dire 9 ans avant la guerre de 170. On est 5 ans avant la guerre entre les Prussiens et les Autrichiens, qui se terminera par la bataille de Sadowa. Eh bien, en 1861, le roi de Bavière veut affirmer haut et fort que les racines de la Bavière, mais au-delà, les racines de l'Allemagne, sont chez Charlemagne. Et là, vous voyez, on a deux visions de l'Europe. On a d'un côté quelqu'un qui se relie plutôt à un caractère national, identitaire, même si les Francs, finalement, étaient d'une certaine façon des peuplades germaniques. Et puis de l'autre, quelqu'un qui se rallie directement à l'Empire. Alors pourquoi ? Eh bien, ce sont ces deux visions qui sont différentes et qui s'opposent. En fait, est-ce que je veux être indépendant ? Ou est-ce que je veux sacrifier à la supranationalité ? Vous savez, sur la photo que vous voyez là, vous avez le général de Gaulle. Et celui qui sort, vous le reconnaissez peut-être, c'est le président Giscard d'Estaing, mais à l'époque, c'était le ministre de Gaulle. C'est-à-dire que de Gaulle avait dans son gouvernement un ministre, et je laisse maintenant la place à un extrait. Et là, l'exemple type d'une opposition et d'une suffisance invraisemblable. Vous avez vu ce que dit Michel Rocard, il dit « ça y est, c'est fini ». On s'est battu contre les nationalismes, et Dieu merci, c'est fini. Et vous avez Giscard qui dit, eh bien moi, d'abord, on ne va pas s'embarrasser de considérations quand on lui cite Dominique Baudis, hein, et il faut un président, d'ailleurs, eh bien, nous sommes bien dans une structure de type fédéral. Et puis vous avez de l'autre côté, le général de Gaulle, qui explique qu'il faut des alliances pour se défendre contre des menaces extérieures, mais que, lorsqu'on est dans l'action, nous avons des pays qui ont des intérêts, des caractéristiques, des caractères extrêmement différents. Et que donc, il est très difficile d'avoir une politique commune. Il est même très difficile d'avoir des orientations politiques dans le domaine de la politique étrangère qui soient communes. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec ce qui se passe dans le conflit ukrainien. Alors, en fait, la vraie question, c'est de savoir, nation ou Europe ? Nation ou empire. Mais pourquoi ? Pourquoi veut-on un empire ? Alors il faut remonter loin. Il faut remonter à l'Empire romain. L'Empire romain est le partage de Théodose. Vous voyez, d'un côté, vous avez l'Empire romain d'Occident, en rouge, et puis en violet, vous avez l'Empire romain d'Orient. Vous avez, en 9 après Jésus-Christ, la bataille de Teutobourg, qui marquera la limite de l'expansion romaine dans les peuples germaniques. C'est-à-dire que, en réalité, vous voyez, le long du Rhin, le long du Danube, globalement, c'est la frontière, c'est le limès entre Rome et puis les peuples que Rome se refusera, malgré quelques incursions de temps en temps, se refusera à aller dominer. Et c'est là où nous allons avoir une grosse différence entre les Allemands non romanisés et les Allemands romanisés. Vous aurez toujours une espèce d'opposition entre Prussiens et Saxons d'un côté, et de l'autre côté, Bavarois et Rhénans. Et cette romanité partagée avec l'édit de 212, qui marquera d'ailleurs pour l'Empire romain le commencement de son affaissement, parce qu'en donnant la citoyenneté romaine à tout le monde, les gens ne voyaient plus très bien quels efforts ils devaient faire pour devenir romains, alors que jusque-là, ça se méritait, par exemple, en s'engageant quelques années dans les légions romaines. Et à partir de cette partition de l'Empire en 395, eh bien très rapidement, se succèdent les invasions barbares jusqu'en 476, qui est la date retenue par les historiens pour dire que l'Empire romain d'Occident a disparu. L'Empire romain d'Orient lui survivra à peu près 1000 ans. Alors, mais en quoi cela a-t-il été
aussi néfaste et a-t-il autant de conséquences sur le devenir, sur l'histoire des Européens occidentaux? Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous laisser pantois parce que personne n'en parle jamais. Quelques historiens l'ont écrit, mais assez peu. La population de Rome, par exemple, jusqu'au saccage commis par Alaric en 410, c'est globalement 950 000, 1 million d'habitants. Au XIIIe siècle, Rome ne comptera plus que 30 000 habitants. 10 siècles plus tard, à peu près, eh bien, la population de Rome aura disparu. La production de plomb dans l'Empire romain, on le sait parce qu'on a fait des carottages dans le massif du Mont Blanc, dans les Alpes. En faisant les carottages, on a pu mesurer la pollution au plomb. Eh bien, en mesurant la pollution au plomb qui prévalait dans les années au 1er siècle, au 2e siècle après Jésus-Christ, on a pu calculer la production de plomb de l'Empire romain. Il faudra attendre le 19e siècle pour avoir une production mondiale équivalente au plomb produit par l'Empire romain. Plus invraisemblable encore, le PIB, ça ne s'appelle pas comme ça, mais l'équivalent, on va dire. Le PIB de l'Empire romain, il faudra attendre le 13e siècle pour retrouver pour la partie européenne occidentale un PIB équivalent. On estime que dans les Gaules, ce qu'on appelait les Gaules, c'est-à-dire globalement la Belgique, le petit nord de l'Espagne, le petit nord de l'Italie et puis la France actuelle, à peu près. Eh bien, on estime que 45 à 50% des gens savaient lire et écrire. Au XIIIe siècle, 1% des gens seulement savaient lire et écrire. Comment voulez-vous que le désastre de 476 n'ait pas laissé des traces dans l'imaginaire collectif des Européens de l'Ouest? Forcément, qu'ils fussent politiques, qu'ils fussent du peuple ou qu'ils fussent des clercs, tout le monde voulait retrouver la prospérité. D'autant que cette prospérité qui avait disparu, eh bien, va conduire pendant des années et des années, la Gaule, l'Espagne, enfin les Espagnes, les États italiens, pas les États, mais l'Italie, à ne jamais connaître la paix. Entre l'avènement de Clovis et l'avènement de Pépin le Bref, c'est-à-dire à peu près pendant 300 ans, il n'y a pas une seule année, vous entendez bien ce que je vous dis, il n'y a pas une seule année où, sur le territoire actuel de la France, c'est-à-dire les Gaules de l'époque, eh bien, il n'y ait pas eu des guerres ou des séditions. La plupart des règnes des différentes dynasties mérovingiennes, sur la Neustrie, sur l'Austrasie, etc., n'auront pas duré plus de 10, 15, 20, 30, 40 ans, avec des périodes terribles où il n'y aura pas de roi. Alors, lorsque, à partir du 8e siècle, émerge Pépin le Bref, Étienne II, le pape de Rome, se dit « Là, nous avons peut-être quelqu'un capable, à la tête de ses guerriers, de retrouver une espèce de capacité à imposer un ordre à l'ensemble des pays qui constituaient donc, on va dire, l'Empire romain occidental, d'Occident. Pourquoi ? Eh bien, vous aviez à l'époque, depuis le haut christianisme, vous aviez 5 villes importantes dans le christianisme. Vous aviez Rome, évidemment, vous aviez Constantinople, vous aviez Antioche, vous aviez Jérusalem et vous aviez Alexandrie. Si vous regardez bien, les quatre autres villes importantes étaient dans l'Empire romain d'Orient. Seule Rome était dans l'Empire romain d'Occident. Or, cet empire romain avait disparu. Et Rome était devenue une espèce de bourgade. Et les papes qui se sont succédé depuis la disparition de l'Empire romain souffraient d'une espèce de rivalité et de manque de légitimité vis-à-vis du patriarche de Constantinople, qui disait « Moi, j'ai un empereur. Ici, globalement, c'est la paix. Malgré l'émergence de l'islam, j'ai la paix. » Et donc, finalement, le vrai pape devrait être à Constantinople et non plus à Rome. Étienne II saute sur l'occasion, si je puis dire, en se disant, en sacrant Pépin le Bref, en le nommant
Rex, enfin roi des Romains, on va dire, Patricium Romani, et ensuite, en faisant de Charlemagne, pas Étienne II, mais Léon III, en faisant de Charlemagne un empereur d'Occident. Charlemagne ne voulait pas être empereur. Il en a été persuadé par ses principaux conseillers, notamment Alcuin et Paul le Lombard. Et Alcuin était un homme, et probablement un homme dont on a oublié le nom, mais qui était un homme politique majeur de la fin du 8e siècle. Il avait une dizaine d'années de plus que Charlemagne, et c'est lui qui rédigeait toutes les lettres de Charlemagne. Nous avons conservé, sont conservées actuellement, une quarantaine, une cinquantaine de lettres d'écrits d'Alcuin au pape Étienne II, justement, au pape Léon III, à un certain nombre de rois et de reines, à l'impératrice Irène de Constantinople, etc. Alcuin était anglais. Les Anglais avaient beaucoup souffert des grandes invasions. Par exemple, vous aviez en Angleterre, en Gaule ou en Italie, un certain nombre, toutes les maisons, toutes les villas étaient couvertes de tuiles, les toits étaient couverts de tuiles. Eh bien, vous n'avez plus de fabricants de tuiles en Gaule, en Italie, ni en Angleterre. Le palais d'Aix-la-Chapelle, lorsqu'il sera reconstruit, enfin, qui sera construit par Charlemagne, il n'y aura qu'une toute petite partie qui sera revêtue, si je puis dire, couverte de tuiles. Et donc, Alcuin, qui avait beaucoup souffert par héritage, qui avait beaucoup souffert de cette disparition de la romanité, paradoxalement, était extrêmement romain, extrêmement attaché à la romanité. Et il va persuader petit à petit Charlemagne, je simplifie mon exposé, mais il va le convaincre de devenir empereur. Et cet empire carolingien qui va être restauré, vous le voyez ici projeté à l'écran, vous voyez, il va globalement du nord de l'Espagne jusqu'au milieu de l'actuelle Allemagne, et il couvre une grande partie aussi de l'Italie. Et surtout, vous voyez, au milieu, il est centré sur la Lotharingie avec la capitale de Charlemagne, d'Aix-la-Chapelle. Vous savez que dans l'histoire, quand on apprend l'histoire, quand j'étais enfant, on m'apprenait que Charlemagne, moi je le voyais comme un empereur français. Les Allemands le voient comme un empereur allemand. Et c'est très, très intéressant parce que cet axe que vous avez au milieu, là, entre Aix-la-Chapelle et Rome, la Lotharingie, qui va donner son nom à la Lorraine, constitue le cœur même de ce qui deviendra par la suite l'Union européenne. Le problème, c'est que cet empire ne survit pas ou ne survivra pas réellement à la disparition de Charlemagne. Son fils, Louis le Pieux, qui va succéder, contre d'ailleurs l'avis de son père, Louis le Pieux, qui va succéder à Charlemagne, maintiendra globalement cet empire jusqu'en 843, mais il se fâchera avec ses enfants. Et donc, entre la guerre que ses enfants, ses fils vont lui mener et les guerres qu'ils vont se livrer entre eux, ils vont arriver à la séparation entre Francie occidentale, Lotharingie et Francie orientale. Et surtout, cet empire va être tellement affaibli qu'il va céder, comme avait cédé l'Empire romain, mais en durant beaucoup moins longtemps, aux invasions à la fois des Normands du nord, à la fois des Sarrasins au sud, à la fois des Hongrois à l'est. Et face à ces invasions, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, les gens vont se dire, mais à quoi sert-il d'être dans un empire qui ne vous défend pas? Par exemple, le comte ou le duc de Barcelone, attaqué par le royaume de Cordoue, se tournera vers Louis le Pieux pour lui demander son aide. Louis le Pieux, qui est à ce moment-là engagé dans un combat vis-à-vis de ses fils, ne tiendra absolument pas compte de cet appel, et si bien que les Catalans, comme le dit très bien Joseph Pérez dans son Histoire des Espagnols, comprendront qu'ils ne pourront désormais compter que sur eux-mêmes. Et c'est comme ça que vont se développer petit à petit les solidarités locales fondées sur des identités locales. C'est la même chose en Navarre, pays d'où je viens, où finalement la dynastie des rois Sanche et la dynastie de Inigo Arista combattra les musulmans faute de recevoir l'appui des Carolingiens. Et on retrouve cela à peu près partout, sauf évidemment en Angleterre, où les Anglais sont livrés à eux-mêmes face aux invasions danoises. Vous savez que les Anglais,
toute la période qui s'étend entre la chute de l'Empire romain et l'arrivée de Guillaume le Conquérant, ils appellent ça le Dark Age, les âges sombres. Ça en dit long, si vous voulez, sur l'image et le souvenir que cette période a laissé dans l'histoire. Voilà. Donc l'Empire carolingien va exploser face aux invasions barbares et va être obligé, va céder la place aux identités, aux solidarités locales, d'abord de village à village, puis de province à province, et c'est comme ça que vont naître les différents, non pas sentiments nationaux, mais d'abord les sentiments d'identité sécuritaire. Le troisième, après l'Empire romain et l'Empire carolingien, le troisième empire qui naît sur les décombres de l'Empire carolingien, c'est le Saint-Empire romain germanique. En 911, disparaît le dernier carolingien, à peu près direct, en Francie orientale. Et pendant une cinquantaine d'années, se livrent des combats à un certain nombre de dynasties. Finalement, en 962, c'est la date retenue par les historiens, eh bien, va arriver au pouvoir le premier empereur ottonien qui va fonder donc l'Empire, le Saint-Empire, enfin il ne s'appelle pas Saint-Empire à ce moment-là, mais l'Empire romain d'Occident. En fait, ils se rattachent très directement à l'Empire romain parce qu'ils sont fascinés à la fois par la culture et la civilisation italienne, la civilisation romaine, la civilisation latine, et en même temps par le côté paix que pouvait apporter l'Empire aux populations qui habitaient sur le territoire administré par l'Empire. J'aime dire que les empires se créent autour d'un concept. Autant la nation se crée autour de réalités charnelles, identitaires, encore une fois, autant les empires se créent autour de concepts. L'Empire romain, c'est autour de la romanité, la citoyenneté romaine. L'Empire carolingien s'est créé autour du concept du christianisme romanisé. Charlemagne se voyait véritablement comme l'héritier des empereurs romains. Il était à la fois impérator, il était à la fois pontifex et il était à la fois princeps, c'est-à-dire le premier des magistrats. D'ailleurs, quand il sera sacré, couronné empereur en 800, il sortira très fâché de la cérémonie. Il en vaudra beaucoup au pape Léon III. Et il défera totalement le cérémonial en question parce que le pape Léon III avait voulu montrer très clairement que le pouvoir de Charlemagne provenait de sa propre autorité. Vous savez, les Romains faisaient une différence entre autoritas et potestas. La potestas, c'était la puissance, mais l'autoritas, c'était au-dessus de la potestas. Et donc, l'autorité, c'était le pape, la puissance, c'était Charlemagne. Charlemagne n'était pas content. Et donc, il refera totalement le cérémonial du couronnement de l'empereur et il obligera, en 813, Charlemagne disparaît en 814, il obligera son fils Louis le Pieux à être sacré en 813 selon ses propres directives. Ce qui est intéressant, c'est que Napoléon Ier, quand il se fera sacré empereur, reprendra exactement le même cérémonial. Et il se rattachera à Charlemagne. Voyez ? Alors qu'on ne peut pas dire que Napoléon ait été probablement aussi convaincu de la religion chrétienne que Charlemagne. Le Saint-Empire romain germanique, lui, se crée autour du concept du christianisme germanisé. Au début, ils ont même évoqué à un moment donné les différents empereurs, donc vous avez plusieurs dynasties, vous avez la dynastie des Ottoniens, la dynastie des Saliens ou Franconiens, et puis la dynastie des Hohenstaufen. Après, vous aurez les Luxembourgeois, enfin la dynastie de Luxembourg, puis la dynastie des Habsbourg. Mais les trois premières dynasties ont réellement gouverné, ont réellement été empereurs de ce Saint-Empire. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, essaieront de se faire sacrer à Rome, car il n'y a qu'à Rome qu'on peut se faire sacrer. Et souvenez-vous de ce que je vous dis là. Il n'y a qu'à Rome qu'on puisse se faire sacrer pour avoir une véritable légitimité. C'était vrai pour Charlemagne, ça a été vrai pour un certain nombre d'empereurs. Et donc, fascinés par le Sud, régulièrement, les empereurs germaniques vont essayer de s'occuper davantage de l'Italie que de leurs États allemands. Sauf que les Italiens, qui les tiennent pour des barbares, vont sans arrêt les repousser. Et la querelle des investitures, vous savez que le pape Grégoire VII avait essayé
enfin, avait pas essayé, a fait, a mené ce qu'on appelle la réforme grégorienne au sein de l'Église pour redonner la puissance au pape. Et on était à un moment donné, avec l'avènement des empereurs germaniques, on était dans le césaropapisme, et avec Grégoire VII, on passe au papo-césarisme. L'empereur Henri IV devra aller à Canossa, mais Philippe le Bel, lui, enverra à Anani Guillaume de Nogaret pour donner une gifle au pape. Vous voyez, on n'a pas traité de la même façon les rapports entre le gouvernant germanique ou le gouvernant français et la papauté. Et donc, ce concept de christianisme germanisé, petit à petit, va devenir de moins en moins chrétien, comme le disait très bien Voltaire, le Saint-Empire romain germanique, il n'est ni saint, ni romain, il est surtout germanique. Le successeur lointain, c'est l'Empire napoléonien. Là, vous avez une représentation de la plus grande extension de la France. Regardez tous les départements, il y a 134 départements, ces 134 départements vont des Bouches de l'Elbe aux Bouches de l'Ebre. Les Bouches de l'Elbe dans le nord, les Bouches de l'Ebre dans le sud, en Catalogne. Et Rome est une ville française. Et si vous voulez, ça ne va pas durer, mais là, nous avons, pour le coup, un changement de paradigme absolu. Pourquoi ? Eh bien, il faut remonter à la Révolution et au siècle des Lumières. Sous l'influence de John Locke, sous l'influence de Montesquieu, et surtout sous l'influence de Rousseau, un certain nombre d'éléments vont changer. La nation, telle qu'elle avait été définie dans le concept chrétien, eh bien, elle s'inspirait, si vous voulez, d'une dimension qui était une dimension chrétienne. C'est-à-dire que le pouvoir provenait de Dieu, toute autorité provenait de Dieu. Et donc, in fine, même le roi Louis XIV partait du principe qu'il n'était que le lieutenant de Dieu en son royaume. Ce qui fait que, même si des rois se sont très très mal comportés en France comme dans beaucoup de pays, ils savaient ou ils pensaient ou ils présumaient que tôt ou tard, ils devraient rendre des comptes à quelqu'un. Dans le contrat social de Rousseau, rien de tel. L'autorité provient du peuple. Et finalement, le peuple est sa propre finalité. Et du coup, le nationalisme va s'exacerber. Car il n'y a plus aucune limite, si vous voulez, il n'y a plus aucune limite à l'exaltation du nationalisme, puisque le peuple, la seule limite qu'il peut mettre, c'est celle qu'il décidera de mettre pour lui-même et par lui-même. Ce qui fait que l'Empire de Napoléon va se construire autour de ce concept de la nation exaltée par les Lumières. Napoléon n'a pas d'état d'âme. Comme je le racontais tout à l'heure, son beau-fils, Eugène de Beauharnais, est le vice-roi d'Italie, parce qu'on l'oublie, mais le vrai roi d'Italie, c'était Napoléon. Là, vous voyez, l'Italie, là, n'est pas dans les départements français. Mais en fait, le vrai roi d'Italie, c'est Napoléon. Mais il a nommé un vice-roi pour le représenter, c'est Eugène de Beauharnais. Et il y a plusieurs lettres dans lesquelles il écrit à Beauharnais, il lui dit, écoutez, quand vous avez un choix à faire entre l'intérêt de l'Italie et l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de la France qui prévaut. C'est quand même pas mal pour le gars qui est vice-roi d'Italie. Et par exemple, il fait revenir, et ça va vous parler pour ceux qui habitent Lyon, il fait venir de la plaine du Pô un certain nombre de métiers à tisser qui étaient très performants en Italie. Il dépossède les Italiens et il les fait installer ici à Lyon pour que la soierie lyonnaise soit meilleure que la soierie du Piémont, piémontaise. Ce qui fait que Napoléon, si vous voulez, c'est un empereur, mais c'est un empereur, entre guillemets, nationaliste. C'est-à-dire que avant tout, les intérêts de la France prévalent sur toute considération. Les intérêts de la France tels qu'il les voyait lui. Il est d'ailleurs en rupture totale avec la politique étrangère qui a été menée jusque-là par les différents ministres qui se sont succédés depuis globalement Richelieu, Mazarin, et puis tous ceux qui ont, sous Louis XIV, Vergennes notamment, Choiseul, qui étaient dans une espèce d'équilibre qu'on appelle l'équilibre westphalien. Tout cet équilibre-là va exploser. Et le premier équilibre qui va faire exploser, eh bien, c'est le Saint-Empire romain germanique, qu'il fait exploser en 1806. Et il va créer la Confédération du Rhin. Et comme le dit très bien Jean-Pierre Chevènement, le premier artisan, le plus grand artisan de l'expansionnisme et de la résurgence du nationalisme allemand, c'est Napoléon. En 1806 et 1807,
quand il va écraser la Prusse à la bataille de Iéna et avec le traité de Tilsit, eh bien, il va créer là un déséquilibre qui va entraîner quelques décennies plus tard la volonté de se regrouper entre Allemands. Entre Allemands, ça veut dire en excluant les Autrichiens. Et d'ailleurs, l'empereur d'Autriche sera obligé de renoncer à son titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique et pour se concentrer simplement sur d'empereur austro-hongrois. Cet équilibre que les rois de France avaient essayé de maintenir avait pour objectif, si vous voulez, d'avoir une centaine d'États qui empêchaient l'émergence de gros États. Comme ils n'étaient jamais les uns avec les autres, ou toujours les uns contre les autres, la France était tranquille. Et on voit bien, si vous reprenez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la bataille de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ, que la France, la Gaule d'abord, puis la France, s'est toujours méfiée de ces envahisseurs qui venaient de l'Est. Alors justement, ces envahisseurs, les voilà, pour les Français. C'est l'Empire Wilhelmien. L'Empire Wilhelmien, c'est un peu comme l'Empire carolingien. Guillaume Ier ne voulait pas être empereur. Le grand homme du XIXe siècle, ça va vous surprendre ce que je dis là, mais le grand homme politique du XIXe siècle, c'est Bismarck. Otto von Bismarck était un francophone convaincu. Et c'était un type qui détestait les Français. Il était francophobe. Toutes ses vacances, régulièrement au moins, il les passait chez moi, à Biarritz. Et il était entre Biarritz et Pau. Il adorait la région, mais il détestait les Français. Pas les Basques, attention. Hein. Il détestait les Français. Pourquoi ? En fait, il détestait les Français à cause de Napoléon. Et c'est si vrai que Guillaume Ier, qui est né en 1799 et qui prendra le pouvoir, qui deviendra roi de Prusse en 1861, donc il a 62 ans à peu près, Guillaume Ier se souviendra toute sa vie de sa fuite en diligence avec sa mère entre Berlin et la Prusse orientale, sous la menace des troupes françaises, avec sa mère qui lui disait « l'antéchrist est là », en parlant de Napoléon, et se sentant dépossédé de son pouvoir, de son pays, et avec une armée prussienne qui aura été détruite, avec des indemnités de guerre dont le chiffre sera exactement le même que celui qui sera exigé par Guillaume Ier en 1870 à la France, parce qu'il se sera souvenu toute sa vie de ce que les Français avaient exigé en 1807. Et vous voyez, l'histoire se répète. C'est-à-dire que ce que vous semez aujourd'hui ou ce qui a été semé hier, eh bien, a des répercussions parfois des décennies plus tard. Quoi qu'il en soit, en 1866, donc, Bismarck convainc Guillaume Ier de faire la guerre aux Autrichiens, car il a compris qu'il fallait éliminer l'influence autrichienne dans les États du sud de l'Allemagne. Donc il fera la guerre à la Bavière, à la Saxe, qui sont alliés avec l'Autriche, mais de façon très tendre avec les deux premiers, un peu plus dure avec les Autrichiens. Entre-temps, il a fait créer une espèce d'unité, d'union économique qu'on appelle le Solverein en 1832, je crois, de mémoire. Et ce Solverein va imposer le thaler prussien comme monnaie unique. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure façon de déposséder la puissance d'un pays que de lui imposer une monnaie. Et ça marchera très bien parce que ce Solverein, même pendant la guerre qui opposait par exemple la Saxe et la Prusse, le royaume de Saxe touchera toujours les dividendes qui lui sont dus sur les accords de libre-échange qui avaient été établis entre la Prusse et la Saxe. C'est-à-dire que même en pleine guerre, les uns contre les autres, la Prusse continuait à payer la Saxe. En 1866, bataille de Sadowa. Guillaume Ier, encore une fois, il est âgé, il a 67 ans. Guillaume Ier a la trouille. Il est absolument persuadé que les Autrichiens vont mettre une raclée à l'armée prussienne. Bismarck est sûr du contraire. Il a raison. Il bat, l'armée prussienne bat les Autrichiens à Sadowa. Du coup, Guillaume Ier dit « Maintenant, il faut marcher sur Vienne et que je défile là-bas. » Il dit « Surtout pas. Surtout pas. » Vous voyez le génie politique de Bismarck. Surtout pas. Il ne faut pas vexer l'empereur François-Joseph parce que le véritable ennemi
il est à l'ouest. C'est la France de Napoléon III. Et effectivement, 4 ans plus tard, Napoléon III, qui n'a rien vu venir, vous connaissez la phrase du maréchal Leboeuf qui dit « L'armée française est prête, je dis même archi-prête, il ne manque pas un bouton au guêtre du soldat français. » Moi qui suis général français, je vous dis qu'à chaque fois que j'entends, y compris aujourd'hui, quand j'ai mon fils qui est capitaine, qui commande une compagnie, il vient de participer à un exercice gigantesque, là vous en avez peut-être entendu parler, quand j'entends que l'armée française est prête et archi-prête, je suis extrêmement méfiant. Enfin bref, en 1870, vous connaissez les résultats des courses, ce fut un cataclysme. On l'a oublié parce que depuis, on a vécu 1940. Mais 1870, c'est invraisemblable. La meilleure armée du monde, celle qui a battu les Autrichiens plusieurs fois, à Magenta, à Solferino, qui a battu les Russes, à Sébastopol, qui a été là-bas, au Mexique, qui a assuré la conquête coloniale, etc. Cette armée-là est défaite par cette armée de petits... du royaume de Prusse, certes, avec ses alliés, la Bavière, etc. Mais malgré tout, c'est une surprise gigantesque, comme en 40 d'ailleurs. Nous, on arrive à surprendre les gens, vous savez, par nos défaites. Et donc, du coup, d'ailleurs, je suis allé en visite officielle au Chili, et les Chiliens, jusqu'en 1880, il a fallu que la nouvelle traverse l'Atlantique, manifestement, jusqu'en 1880, le modèle militaire, c'est le modèle français, Napoléon, etc. Tout est copié sur les Français chez les Chiliens. Et puis en 1880, enfin, ils le savent avant, mais ils décident de changer, c'est le modèle prussien, puisqu'ils ont battu les Français. Ils ne gardent qu'une chose, c'est les attenantes, c'est-à-dire le symbole des officiers généraux. Et quand j'étais là-bas, ils étaient très contents de me dire « Vous avez vu, mon général, on a les mêmes que vous, on a les mêmes que vous. C'est tout ce qui reste de l'influence française. » Ça ne me faisait pas très plaisir. Enfin bref, pour revenir à 1870, vous avez là donc l'éclosion de l'Empire wilhelmien. Et lui, il se fait autour du concept le pan-germanisme exalté. Alors tant qu'on avait Bismarck aux affaires, ça tenait à peu près la route. Il avait compris qu'il fallait empêcher la France de renaître, de vouloir sa revanche, parce qu'il savait que les Français voudraient leur revanche. Et vous le savez, vous avez tous lu Alphonse Daudet, et vous savez que la France, entre 1870 et 1914, arme cette revanche. Alors, pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. Oui, alors, après l'Empire wilhelmien, en 1918, il s'écroule. Et c'est là que les choses vont profondément changer. Parce que le premier partenaire économique, et ça, on l'a oublié, mais le premier partenaire économique en 1914 de l'Allemagne, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et le premier partenaire commercial des États-Unis d'Amérique en 1914, c'est l'Allemagne. Or, en 1914, c'est la guerre. Mais les intérêts financiers sont plus proches entre la City de Londres et Wall Street. Ce qui fait que les Américains le gouvernement américain veut absolument être allié avec les alliés, c'est-à-dire avec la France et l'Angleterre, mais pas l'opinion. Et d'où l'affaire du Lusitania. Il faudra donc attendre 1916 puis 1917 pour que l'opinion bascule et que les Américains se retrouvent en guerre auprès des deux alliés, des Anglais et des Français. Mais en 1918, les Américains n'ont qu'une idée, c'est de retrouver la prospérité qui était la leur en 1914 avec leur premier partenaire commercial. Alors, on ne le sait pas, mais on ne le sait pas encore en Europe, mais la France et l'Angleterre ne sont plus les principaux pays, et ni même l'Allemagne. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui se sont considérablement enrichis en vendant du matériel militaire aux Français et aux Anglais. Et donc, en 1918, ils vont tout faire pour retrouver cette espèce de partenariat économique privilégié avec les Allemands. D'ailleurs, les Américains ne voulaient pas que l'Allemagne restitue l'Alsace et la Lorraine à la France. Pas du tout. Ce n'était pas dans les 13 points de guerre du président Woodrow Wilson. Il faudra, écoutez bien, il faudra une lettre que Eugénie de Montijo, l'impératrice Eugénie, qui vivait toujours, puisqu'elle est morte en 1921, je crois de mémoire, qu'il faudra une lettre qu'avait conservée Eugénie de Montijo, qui à ce jour est la seule femme à avoir été chef d'État en France, pendant que Napoléon III était parti faire la guerre. Elle était régente, elle convoquait le Conseil des ministres, etc. Et Guillaume Ier lui avait envoyé une lettre en lui disant « Mais ma chère cousine,
parce qu'elle se plaignait que dans les demandes prussiennes, il y avait l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Il dit, mais nous, on ne considère pas que l'Alsace et la Lorraine sont allemandes. On considère que la France voudra se venger. Et donc, il nous faut une profondeur stratégique. C'est simplement pour se prémunir d'une attaque des Français. Et cette lettre-là, elle la gardera. Elle la donnera au président du Conseil de l'époque, Clémenceau, qui pourtant ne l'aimait pas beaucoup. Et Clémenceau s'en servira pour montrer à Wilson que finalement, l'Alsace et la Lorraine, eh bien, c'est une terre française et que même l'empereur Guillaume Ier ne considérait pas cette terre comme allemande. C'est une très grosse erreur, d'ailleurs, de Guillaume Ier. Ou c'est même peut-être Bismarck qui a écrit la lettre. En tout cas, en 1918, les Américains n'ont qu'une idée, c'est de retrouver eh bien, cette capacité à commercer avec les Allemands. Va intervenir sur les décombres du Deuxième Reich, le Troisième Reich d'Adolf Hitler, qui lui va se constituer aussi autour du pan-germanisme racialisé, si je puis dire. Et en 1945, on se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire que le premier partenaire de 1939 de les Américains, ce sont les Allemands, et les Américains veulent le même en 1945. Et donc, ils vont tout faire pour relever les Allemands. Alors, en 1918, les Allemands ont une dette de guerre très importante. Cette dette de guerre finira par ne jamais être payée avec le plan Young et le plan Dawes, qui sont des plans américains de rééchelonnement de la dette. Mais les Américains exigeront des Anglais et des Français que la dette que eux ont contractée à leur égard soit payée jusqu'au dernier penny ou jusqu'au dernier centime. Et en 1945, le plan, le plan Marshall, le plan Marshall qui aura été mis en place servira d'abord essentiellement à la reconstruction de l'Allemagne, certes d'un certain nombre de pays d'Europe, mais surtout de l'Allemagne. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les Américains veulent une zone de libre-échange. Et c'est là où on va se retrouver avec quatre personnages qui sont quatre personnages assez intéressants. Vous avez, à la naissance du traité de Rome, vous avez quatre grands hommes, si je puis dire, les pères fondateurs de l'Europe. Vous avez Schuman, le français, vous avez Adenauer, l'allemand, vous avez Gasperi, l'italien, et vous avez Jean Monnet. Mais lui, je ne le qualifierai pas parce qu'il a brûlé son passeport devant tout le monde. Les quatre hommes sont nés à peu près en même temps, entre 1880 et 1890, à peu près. Trois d'entre eux sont profondément chrétiens, Schuman, Gasperi et Adenauer. Deux d'entre eux, sur les trois, sont nés dans des villes, enfin les trois sont nés dans des villes du Saint-Empire romain germanique. L'un est né à Mayence, pardon, à Cologne, Adenauer est né à Cologne, Schuman est né au Luxembourg, et Gasperi est né à Trente. Trente, vous savez, le concile de Trente était une ville électeur aussi, électrice du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire que ces trois hommes sont des Rhénans. Ils sont tous les trois de ce fameux pays, la Lotharingie. Ce qui est étonnant, c'est que Robert Schuman a fait la guerre, la Première Guerre mondiale, il l'a faite sous uniforme allemand. Il s'occupait des œuvres sociales. Alcide de Gasperi, l'Italien, qui a été président du Conseil italien, il l'a faite sous uniforme autrichien. Il était capitaine autrichien, il s'occupait des blessés. Adenauer, lui, il a fait sa guerre, il l'a faite à Cologne, comme adjoint chargé du ravitaillement pour une population de 6-7 millions d'habitants, de civils. C'est-à-dire, vous voyez, ils étaient tous les trois dans des œuvres sociales. Tous les trois vont connaître la prison. Schuman aura été, de façon éphémère, mais ministre de Pétain, et puis après, il va errer, il sera d'abord assigné à résidence, il va s'évader, il ira de séminaire, de monastère en monastère. Adenauer sera mis en prison par les nazis. Et Gasperi, qui d'abord est favorable à Mussolini, très rapidement s'en éloigne, et sera aussi emprisonné, il faudra que le Vatican intervienne, et il se réfugiera au Vatican. Vous voyez, les parcours sont les mêmes. Et puis, il y a le quatrième, Jean Monnet. Alors lui, ce n'est pas du tout un ange. Jean Monnet, c'est un producteur de cognac qui va sauver l'entreprise familiale d'abord avant la Première Guerre mondiale, qui va s'installer en Angleterre. Il sera anobli, il sera fait baron. Personne ne le sait, mais on avait quand même un Français qui était baron anglais. Et puis, comme il aura développé un certain des canaux commerciaux entre la France et l'Angleterre pour son cognac, il va en profiter
pendant la Première Guerre mondiale pour assurer le ravitaillement entre la France et l'Angleterre, et ensuite entre les États-Unis, la France et l'Angleterre. Et à cette occasion, il deviendra un personnage important du système américain, au point que Woodrow Wilson, le président américain, l'imposera comme le numéro 2 de la Société des Nations. Il a une trentaine d'années. Il est le numéro 2 de l'ONU de l'époque. Et alors, il s'y ennuiera considérablement. Il démissionnera au bout de 5 ans. Il ira s'installer aux États-Unis. Il va fonder une banque. Il va se lier d'amitié avec McCloy, qui deviendra par la suite d'abord l'homme qui sera le haut commissaire en Allemagne après la guerre pour reconstruire l'Allemagne, l'Américain chargé de la reconstruction de l'Allemagne, et puis qui sera le premier président de la Banque mondiale. Et puis, il sera très lié aussi avec les frères Dulles, John Foster Dulles et Alan Dulles. Vous savez, celui qui a fondé la CIA. Ça vous dit quelque chose ? Donc, si vous voulez, la proximité de Monet, dont De Gaulle, d'ailleurs, disait « Mais Monet, c'est l'homme des Américains », qui avait choisi Giraud contre De Gaulle, et De Gaulle devra se débarrasser de Giraud pour pouvoir s'imposer. Monet était favorable à l'AMGOT, vous savez, le système de gestion que les Américains voulaient imposer à la France. Ils avaient même déjà édité les billets, etc., pour que la France soit une espèce de, en tout cas, de protectorat américain, au moins momentanément. Eh bien, Jean Monnet y était très favorable. Si bien que la rencontre de Jean Monnet, l'homme des Américains, et des trois idéalistes, par certains côtés un peu idéologues, Schuman, Gasperi et Adenauer, va aboutir au traité de Rome le 25 mars 1957. Et voyez, vous avez là-dessous, sous le cartouche, là, une citation de Jean Monnet. « Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers des formes d'organisation du monde de demain. » Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on voit bien que Jean Monnet est un mondialiste convaincu. Alors, l'Europe des Six, ce traité de Rome, il est signé le 25 mars 1957. La date ne vous échappe pas, c'est le jour de l'Annonciation. Vous voyez ? C'est le côté chrétien. Il sera signé où ? À Rome. Car il n'y a qu'à Rome que l'empereur puisse être désigné. Et il va être signé où ? Dans la salle des Horace et des Curias, pour se rattacher à la tradition gréco-latine. Et vous voyez, tous ces symboles sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, la vérité, elle est là. C'est que c'est avant tout symbolique. Jean-François Degnaud l'explique dans ses mémoires. Il dit, puisqu'il est le rédacteur du préambule, c'est vrai que Degnaud parlait couramment l'italien, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, et le français, évidemment. Et donc, il avait été le rédacteur de ce préambule. Et il le dit très bien dans ce préambule, vous n'avez pas de règles politiques, de règles économiques. Non, non, ce sont des règles philosophiques. C'est-à-dire qu'on laisse suffisamment d'ambiguïté pour que l'Europe, entre guillemets, que l'Union européenne se fasse pas à pas. C'est une expression que vous avez sans doute entendue. Et toute cette ambiguïté, elle repose aussi, elle éclaire les rapports entre Jean Monnet et les trois que sont Gasperi, Adenauer et Schuman. Alors, je vous montre un extrait. Il y a un petit montage. Monsieur, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque. À y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Alors, vous avez entendu, et je vous renvoie au premier extrait, au premier débat entre Rocard et Giscard. Vous entendez dans son rôle, là, Jean Gabin, qui dit « On vous demandera de soutenir un gigantesque conseil d'administration ». C'est exactement les propos qui ont été tenus dans le débat, d'il y a une trentaine d'années, entre Giscard et Rocard. Vous voyez ? Là, c'est un film qui date des années 50, avant d'ailleurs le traité de Rome. Et on voit bien, si vous voulez, l'irruption du monde de la finance et du monde des affaires, tel qu'il avait été voulu par Jean Monnet, d'ailleurs, dans un projet qui se voulait politique, car les trois premiers avaient beaucoup souffert de la guerre et c'était des hommes de la frontière. Vous savez, Robert Schuman,
avait passé son bac et ses diplômes de droit en allemand. On dit qu'il rédigeait tous ses discours d'abord en allemand et qu'il les traduisait en français quand il s'adressait aux Français. Ce qui veut dire que la notion français ou allemand lui était un peu étrangère. Adenauer, qui était de Cologne, se sentait très français. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les mémoires du général von Kagenek, qui a été journaliste à Paris, expliquait très bien. Il était pas, enfin, sa famille, c'était pas n'importe qui. Ils étaient les cousins de par sa mère. Ils étaient les cousins de Guillaume II. Eh bien, il expliquait que tous les dimanches, on parlait français à la table du général von Kagenek, général de la Première Guerre mondiale, et que la France était le pays, si vous voulez, ils étaient de l'autre côté du Rhin, était le pays avec lequel ils vivaient. Moi qui suis de l'autre côté du Bidassois ou du côté nord, si vous voulez, je suis tout le temps tourné vers l'Espagne. Les gens de la frontière se sentent souvent, si vous voulez, un peu des deux côtés. Et donc, ces trois hommes qui étaient rhénans ou qui étaient du Tyrol pour Gasperi, eh bien, eux ne voyaient pas de malice. Mais Jean Monnet, lui, en voyait une parce que, je le dis, il roulait pour les Américains. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais même si je le répète, c'est le général de Gaulle. Alors, l'Union européenne de 2020, eh bien, cette Union européenne, elle est organisée comme le christianisme romanisé pour l'Empire carolingien, le christianisme germanisé pour le Saint-Empire, les droits de l'homme pour l'Empire de Napoléon, le pan-germanisme exalté pour l'Empire wilhelmien, eh bien, elle, c'est les droits de l'homme et l'économie de marché. Et vous avez un certain nombre de déclarations qui vous laissent sur le flanc. Quand Barroso déclare que finalement, si vous voulez, il suffit d'être pour les droits de l'homme, pour le libre-échange et l'économie de marché, respecter les valeurs pour se sentir européen, ben moi, je ne vois pas pourquoi le Brésil ne pourrait pas être dans l'Union européenne ou l'Australie. Vous comprenez, il n'y a pas d'identité. Or, l'Union européenne, depuis les 40 ou 50 dernières années, a oscillé. Un certain nombre de ses partisans ont cru à un moment donné qu'elle pourrait être une espèce d'empire des États-Unis, d'Europe, s'opposant aux États-Unis d'Amérique, à l'empire russe, à l'empire chinois ou à l'empire indien. Mais ce n'est pas vrai, c'est fini. Ce qu'on veut, ce sont des consommateurs et des producteurs. Et c'est pour ça que l'Union européenne ne luttera jamais contre l'immigration. Pour la bonne et simple raison qu'un travailleur, un consommateur, quelle que soit son origine, quelle que soit l'origine de sa culture, de sa profondeur historique, de son identité, est interchangeable par définition. D'autant, encore une fois, que ce que veulent les États-Unis, qui pour eux, pour le compte, alors reste très cohérent, eux, ce qu'ils veulent, c'est défendre les intérêts américains. Et les intérêts américains, ça passe notamment par la nécessité d'avoir une Europe qui ne soit pas une Europe puissance, mais qui soit une Europe économique, partenaire, commerciale. Alors vous allez me dire, mais alors donc, il suffirait de faire un empire européen pour pouvoir contrer les Américains. Eh bien, je ne le crois pas. Parce que l'histoire, comme j'ai essayé de vous le montrer pendant tout cet exposé, si vous voulez, est extrêmement sévère vis-à-vis des empires. Tous les empires naissent et meurent. Depuis l'Empire romain, nous n'avons jamais réussi à faire un empire qui dure pour la bonne et simple raison que les identités nationales sont plus fortes in fine. Alors on peut le regretter, mais on peut regretter aussi de mourir un jour. Mais n'empêche que nous mourrons tous. Eh bien, les identités sont plus fortes que finalement le rêve d'une prospérité qui serait une prospérité partagée par tout le monde et n'importe qui. Et je renvoie en phrase de conclusion à cette fameuse phrase de l'Évangile qui dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi, c'est pas dit comme ça, mais de spiritualité. Et l'une des formes de spiritualité, c'est probablement le caractère identitaire. Je vous remercie de votre attention et je me livre à vos questions. Merci mon général pour cette conférence passionnante. Je rappelle que votre ouvrage « L'Europe contre l'Europe » est disponible à l'accueil
et ceux qui voudront se le procurer pourront bénéficier d'une dédicace. Nous allons à présent